Bonjour, c'est ADS Eloi pour la suite d'Enigmatic Rooms. Et donc, on cherchait les doigts derniers. Au dernier épisode, j'en ai trouvé un coffre de plus ici. Donc, juste à côté de. Là, on est dans le. J'ai un doute. Comment je suis monté là déjà? Oui, là, ici. Donc, juste à côté de là, j'espère que ça suffira. Parce que c'est le seul coffre que j'ai trouvé. Est-ce que ça te suffit? Non! Ah, bon, bah, je vais continuer à chercher. Me revoilà. Alors, ici, il y a une plaque de pression. Donc, je suis monté dessus. Non, je vais pas commencer par ça. J'ai commencé par me rendre compte que ici, il y avait un coffre, mais que cette porte était fermée, voyez-vous? Et donc j'ai cherché un moyen d'ouvrir cette porte, donc j'ai cherché partout des boutons. Et je n'ai pas trouvé de boutons, j'ai juste trouvé cette plaque de pression, faut que c'était la seule. Non, il y en avait sur tous les fours. Et donc j'ai cherché. Et ça faisait rien, par exemple celle-ci, pour information. Il n'y a rien derrière, de toute façon c'est pas possible. Non, donc j'ai fait toutes les plaques de pression comme ça, et non, je sais plus où elles sont. Et donc, va savoir pourquoi, sur celle qui est là-haut, hein, ça m'a ouvert cette porte. Je crois qu'il faut 51. J'ai trouvé un panneau là qui est juste ici. J'ai pas la flemme d'en monter pour vous montrer. Sur ce panneau, il me dit qu'il en faut 51 plus 5 stacks. C'est pas possible. Je manque pas. Bon, là, je pense que j'ai fait vraiment le tour. Non. 51, t'es sérieux? À mon avis, c'est un bug. Je pense pas que j'ai qu'il y a un coffre avec une seule. Parce que là-haut, il y a un panneau qui dit 5, qu'il faut 5 stacks et une cobweb. Je pense pas que qu'il y a un endroit où il y a une cobweb cachée. Je pense que j'ai dû parce que j'ai voulu jeter sur les plaques de pression comme un stupide. Et ça se trouve, je me suis fait griller une cobweb. C'est obligé. Ils ont toujours été par. Fais voir. Elle n'a rien dans mon inventaire. Oh, c'est ouf. Une cobweb? Non. Est-ce que je la cherche vraiment? Parce que là, pour la trouver, celle que je viens de vous montrer, j'ai galéré quand même. C'est laborieux. Oh là là. Ça a été tellement laborieux pour trouver celle-là. Je crois que je vais tricher, les amis. Je crois que je vais la rajouter parce que. Oh là là. Non, mais c'était tellement laborieux. C'est pas là-dessus, y'a pas un truc, non? Ah, elle est là. J'ai failli devenir fou. J'ai failli devenir fou. Ok, bon, ça va, c'est moi qui suis moulé. Voilà. Alors, je trouve que ça manque un peu de petits bruits pour vous prévenir, genre... Non, j'ai eu peur. Quoi? On l'a entendu, hein. Il y a eu un bruit. On entend le piston là. Alors pourquoi ça ouvre pas la porte? Ah, levier. Oh là 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 là. Bon. J'ai eu peur. Bon alors, on a dit cette map toujours bien fouillée partout dès le départ. Hein. On est dans une forêt. Je suis un peu perplexe. Moi, je sais pas si vous en pensez peut-être de cette map. Je suis. Il y a des trucs qui me plaisent, d'autres qui. Ok. Enfin, comme le fait quand même que j'ai dû relancer la map parce que j'avais utilisé la Blaze Rod comme carburant. Je trouve ça un peu dommage. Il y a des trucs. Voilà. Tuer la vache. Ok. J'ai de la redstone. Alors, il dit qu'il faut que je tue la vache. Là, j'ai un pouletto. Petite vache. Ah. Je crois que pour tuer la vache, il va me falloir un arc. C'est ça le principe. J'ai un œuf de poulet. Pour l'instant, bon, on va tranquillement bien fouiller. Je sens que, oui, je vois bien le coup d'avoir un petit arc.
Alors, tu auras besoin de cobweb et de gravel. Ouais. Donc ça, c'est pour faire des flèches. Les poulets vont donner des plumes. Hein, je pense... Ah, il y a un bouton, là. Je ne sais pas ce que ça a fait. Est-ce que c'est un truc qui était... Je pense que ça, c'est un truc qui s'est fait qu'une fois, parce que la seconde fois, on a eu qu'un seul piston. Ah, là, j'ai du cobweb, mais pour l'instant, je n'ai pas de d'ustensile qui me permet de récupérer. On va attendre un petit peu. Ouais, je pense que... Ce coffre, c'est celui que j'ai déjà vu. Tu deviens fou, quoi. Tu deviens fou. Alors, j'appuie sur un bouton. Hop, 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 hop. Non... ouais, parce que là je peux pas récupérer. Ah, j'ai une hache! Mon dieu. Peut détruire les barrières en bois. Ah! Alors je pense qu'on va plutôt péter sur celles qui sont en jeu. Ça donne du bois. Ok, ça donne du bois pour pouvoir, j'imagine. Je ne sais pas. Ça c'est pas une barrière en bois, d'accord. Pourquoi? Pourquoi pas celle-là? Je ne sais pas. Là, j'ai celle-ci. Donc celle-ci, ça marche pas. Hein, je ne peux pas aller voir la vache avec ça. Là, il y en a encore une. Le cobweb, c'est avec une épée. Et ça, c'est avec une... Eh merde. J'imagine que j'ai déclenché... En gros, je peux poser parce que la table de craft, à chaque fois, hein, on peut poser qu'un seul endroit. J'ai un truc bizarre. Dans un truc, donc, qu'est-ce que je peux vous parler? Parce que c'est quand même bien, je trouve, avoir un sujet de discussion sur une vidéo comme ça où il y a beaucoup, beaucoup de recherches, histoire de que vous ennuyez un peu moins. Je tente très bien, avec cette histoire d'avoir beaucoup de bois, de faire une épée et une pioche. Non, une pelle. Ça paraît très logique. Mais il faut que je trouve un endroit où je peux poser tout ça. Normalement, il y aura un bloc violet, vu que ça, c'est par exemple ce truc qui manque dans cette map. Le coup des blocs violets qui est apparu tout à l'heure, bon, le fait qu'on puisse poser dessus, je trouve que c'est pas super clair. Je le savais parce que bon, je vais récupérer les plumes. Voilà, hop, deux plumes, ça devrait. Alors, ça je peux pas. Bon, bah, avoir les poulets tôt, j'ai besoin de plumes. Non! Ah, la. Canaille, elle est partie. Ou est-ce que c'est quand j'ai mis sur le bouton, j'ai eu droit à la hache que j'ai pas vu avant? Peut-être. Hein. Tu auras besoin de cobble et de gravel. Ouais, bah je suis d'accord, je veux bien. Vas-y, donne. Ouais, dans les trucs qu'il y a eu étonnant sur YouTube récemment, il y a eu les pertes d'abonnés. Mais ça, il n'y a pas vraiment eu d'explication. J'ai regardé beaucoup de trucs, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, mais vraiment beaucoup de gens, enfin moi qui sur Twitter suis différents youtubeurs, mais de plein d'univers différents, de la websérie, enfin vraiment, de websérie, gamer, c'est vraiment un truc, je regarde pas beaucoup de plumes, c'est vraiment un truc qui a beaucoup, ça je peux pas le péter, ouais c'est pas, je peux péter, un bois de chêne, c'est marqué hein, si tu savais lire. Et donc il y a beaucoup de gens qui s'en peignent, mais pas de réponse pour l'instant nulle part. Il paraît, certains youtubeurs ont dit que c'est que eux, ils avaient observé la situation plusieurs fois, enfin les youtubeurs assez anciens, que c'est pas quelque chose de nouveau. Et... Ouais, troisième plume. C'est pas une situation vraiment nouvelle, que régulièrement il y a de la... ils ont des pertes d'abonnés tous les ans, il y a une période où... Alors, il y a un côté, normalement, il y a un côté logique en perte d'abonnés qui existe sur tous les réseaux sociaux, YouTube, donc YouTube, Facebook, Twitter. C'est la purge des... Ah, un coffre là. Un bloc de fer. Je suis censé faire quoi d'un bloc de fer là? Il y a un truc qui m'échappe. Parce que c'est en fer, donc j'ai tout fait en fer. Hein. Les explications. Bon, ma table de craft, je peux la poser où? Je suis d'accord, hein, je veux de la cobweb. Ah, c'est relou. Ah, pouletto. Viens là, petit poulet, viens là. Mais là, il y a quand même, a priori, quand même beaucoup de témoignages de personnes qui ont perdu leur abonnement
alors qu'ils ont rien fait pour, quoi. Donc ça, on n'est plus dans le simplement la disparition d'abonnements de gens qui ont arrêté d'utiliser Facebook ou YouTube. Enfin, donc du coup, pour le coup, c'est Google Plus. Donc on ne sait pas trop. Est-ce que c'est juste un bug quand ils ont fait des mises à jour que ça a perdu? Est-ce que c'est franchement, je suis assez perplexe et je crois que vu que Google ne donne peu de réponses ou pas ou jamais de réponses sur la chose, on ne le saura jamais. Sur ce, je pense que je vais refaire une ellipse parce que je ne sais pas où je pose cette table de craft et ce que je dois crafter. Et donc, bah, tant que je suis en train de fouiller, de chercher, c'est pas super intéressant. Comme, encore une fois, hein, la recherche c'est intéressant quand on a un truc à dire. Donc là, je voulais vous parler un peu de ça. On peut vous parler un peu aussi de les tendances, hein, qui a priori est en train de venir un onglet sponsorisé. Mais bon, ça c'est. Pas personnellement, je n'utilise pas du tout. Est-ce que vous utilisez l'onglet tendance? Moi, j'utilise vraiment que le fil d'abonnement. Alors, c'est pareil, j'utilise que le fil d'abonnement. Donc, je vais toujours voir mes vidéos dans le fil d'abonnement, voir si c'est des choses qui sont sorties. J'ai jamais de problème sur ce truc-là. Les vidéos apparaissent toujours. Je n'ai jamais de vidéos que j'attends, que je me rends compte qui sont sorties, que j'ai pas vues. Ça m'est vraiment jamais arrivé. Donc, mais il y a des youtubeurs qui conseillent d'utiliser la cloche. Donc, mais ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez être sûr de ne pas louper une seule de mes vidéos et que vous voulez du coup recevoir par mail quand une de mes vidéos sort, avoir un petit mail. Ouais, il y a une nouvelle vidéo de la Célouba. Bah, vous pouvez. Mais c'est pas franchement, voilà, la petite cloche en fait, c'est, ça vous permet de soit en configurant avoir toutes mes vidéos une par mail. Est-ce que j'ai un truc de nouveau? Non. Je l'avais pas vu ce bouton, c'est pas celui de tout à l'heure. Intéressant. Si c'est celui de tout à l'heure, si je suis, attendez. Non, c'est pas celui de tout à l'heure, je suis près de l'entrée. Et j'ai rien de nouveau, ah, bon. C'est pareil, j'ai un bloc de redstone. Bon, bah, je vais continuer à chercher. On se retrouve et je finirai de vous parler de la cloche en détail. Revoilà, j'ai trouvé un bloc de diamant. Super. Que je ne peux pas. Ok. Très bien. Donc j'ai posé un bloc de redstone dessus. Ok. Eh ben, j'ai plus qu'à chercher ce que ça a fait. Oh purée. À tout à l'heure. Hein, j'ai envie de dire. Parce que, vu le temps que j'ai mis à me rendre compte que ce bouton, j'imagine, ou celui qui était là-bas, je ne sais pas, a fait apparaître un bloc de diamant. Vu le temps que j'ai mis, hein. C'est pas pour tout de suite que je vous dirai la suite. Allez, à tout à l'heure. Alors me revoilà, si je lisais, hein, ce bloc de fer peut passer sur un bloc de redstone. Mmh. Ce bloc peut passer sur un bloc de fer. Mmh. Donc du coup, hop, moi je pensais à l'appel pour le grappiller. Cool. Et c'est l'épée, hein, il me semble, pour avoir... Oui. Toile d'araignée. Donc ensuite... Bon, jusque là. Hop, on en prend 3. Voilà. Je peux pas casser tout ça, c'est dommage. Hop. Et du coup, le gravier avec la pelle. Qui donne à chaque coup ce qu'il faut. Très bien. Et normalement, j'ai tout ce qu'il faut maintenant. Avec toutes ces pauses, je sais pas du tout où j'en suis en termes de timing. 5, hop, je vais y arriver. Hop, hop, hop. Donc j'ai un arc et j'ai des flèches. 8. La pression. Alors, il faut que je trouve un angle pour avoir cette vache. J'ai 8 flèches, donc on va essayer de pas trouver un endroit. Ouais, c'est bon, je vois la touche. Voilà. Donc j'imagine que la sortie est à l'opposé de l'autre côté. Oui. C'est parti pour la pièce suivante. Oh, Dieu, l'ambiance est un peu. Welcome to Seal. Donc là, j'imagine que le but. Ah. Ah, mais y'a pas un truc. C'est ça. Voilà. C'est pas chiant. Oh, c'est pas drôle comme mécanique.
En fait, un sneaky piston, si vous faites deux fois de périte, voilà, vous perdez son pouvoir collant. Ce qui est vachement. 1-2. Oh mon dieu, ça va être relou. C'est parti pour un autre épisode relou. Je ne veux pas. Parce que si je fais ça, ça aide. On va faire ça. Si je fais ça, est-ce que. Du coup, ça a bougé. Je vais peut-être faire ça. J'en veux rien. Je sais que ça passe au vide. Ah! Oh là là, ça fait ça. Ça y est! On a tous tout ça pour. Ça va être long. Je pense pas qu'il y ait de. Ah super, ça a juste empêché le piston de pouvoir Ah puis du coup j'ai perdu l'espace que j'ai fait. C'est bon. Voilà, donc ça va être très passionnant hein, comme Et je crois pas qu'il y ait d'autres solutions hein. J'avais vu ça sur une map déjà. Bon, on va faire un peu le tour du reste. Histoire de. Qu'est-ce que c'est que. Non. Oh non, mais c'est pas possible, ça va pas que être des histoires de pistons collants et tout. Alors, cela dit, je vois pas l'arrivée là. Sur celle-ci, c'est quand même moins galère. C'est un peu galère. Ah, là-haut. Là-haut, là-haut. Donc là, j'ai. Bah là. Hein, ok, d'accord. Donc faut que je traverse la. Faut que je traverse. Oh, je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans. Ah ouais, alors là, ça commence à être plus costaud comme réflexion. Ok, et le dernier, c'est quoi? Là, il y en a deux à déplacer et trois. Oh. Le problème, c'est que c'est super relou. Enfin, moi, il y a un truc que je connais pas. Mais. Il y a un truc que je connais pas pour rendre pas piston en collant. Parce que je veux bien jouer à ce jeu-là, mais si c'est pour passer trois plombs, bah. Il y a un truc que je dois pas connaître, c'est pas possible. Et vous voyez ça par exemple, le coup de rendre un piston collant non collant, c'est un. Je gagne un niveau quoi. C'est quelque chose. Enfin, c'est une mécanique qui est forcément connue de tous les joueurs. Donc je trouve un peu dommage que le. Ah, ça a réinitialisé. Non, ça a réinitialisé les pistons. Ah, c'est peut-être celle du centre. Je trouve un peu dommage que cette mécanique soit pas un peu plus expliquée. Du coup, je sais pas quoi faire parce que je passer trois plombes à réussir, ça va un peu me gaver. Bon, ce qu'on va faire, écoutez, on va se mettre en game mode 0. Vous voyez. Et mais pourquoi en plus c'est du collant? Je comprends même pas pourquoi il a mis en collant s'il est mis en piston normal, ça aurait fonctionné. Non. Si je mets un piston normal, là, pourquoi il a mis des pistons collants? Quel intérêt? Oui. Salut. Alors, du coup. Ah non! Excusez-moi. J'avais mis des pistons, j'avais tout activé partout. Voilà. Donc là, du coup, si je veux que. Ah ouais, bah c'est pour ça en fait qu'il veut des pistons collants. C'est parce que du coup, là, vu que je suis au centre, c'est un peu la misère pour. Oui. Parce que l'avantage, c'est que là, je peux faire ça et ça. Ok. Que j'aurais pas pu faire avec un piston qui était pas collant. Ok. Bon, jusque-là, je veux bien. Mais du coup. Bon, voilà. En fait, on va inverser. Hein. On va mettre quand j'en ai besoin un piston collant. Quand je peux pas. Voilà. Hein, ça, c'est fait. Je fais une petite pause. Donc, mais voilà. Et en plus, j'ai été dérangé. Et je me rends compte que. Il est. Ah, juste, regarde un truc. Ouais, il y a encore quelques trucs après. Du coup, je vais m'arrêter là. Parce que, en fait, ça fait déjà 20 minutes que je tourne cet épisode. Il va durer à peu près 20 minutes. Donc.
Je peux pas. Je peux, voilà. Donc, du coup, on verra cette énigme ici. On va faire là celle-ci en modifiant les pistons en fonction de ce qu'on a besoin, parce que ça sera moins long. Mais ça sera dans le prochain épisode. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, parce que c'est le carburant en ce moment des youtubeurs. Et un petit commentaire si pour la peau de rap. Je pense que le créateur est français. Je pense que je lui enverrai la vidéo. Donc si vous voulez lui faire des retours, vous pouvez lui faire des retours dans les commentaires. Voilà, allez, bye bye, et à la prochaine pour le dernier épisode.